On est ici à Verbier. On fait les ski tests pour Glishop. Les conditions sont formidables, un peu dur, un peu de mou, tout petit peu de poudreuse. C'est fantastique. On teste le Dictator 2.0. Ce ski, il fait 96 sous le patin. C'est un ski qui a deux plaques de titanal dedans avec un noyau de bois léger. Ça, c'est un ski qui va être très, très polyvalent. Les plaques de titanal permettent au ski d'avoir une rigidité au niveau du torsion très, très puissant. Alors, on ne peut vraiment pas trouver qu'on n'a pas assez de ski sous les pieds. On l'a en plusieurs tailles. On n'a pas besoin de le prendre trop grand. À cause de ces plaques de titanal, on peut le prendre légèrement plus court. Comme ça, on a un ski encore plus polyvalent. Il va très bien aller en grande vitesse. Mais aussi, si on le prend un tout petit peu plus court, il va très, très, très bien aller sur les petits virages aussi. On peut faire des beaux carves avec, on peut très, très facilement déraper le virage parce qu'on a un léger rocker derrière et un rocker sur le devant. Il y a un beau cambre sur le ski aussi qui va donner un bon rebond sur les skis. Vraiment, c'est un ski qui est juste impressionnant. Il est fait en Autriche, alors la construction, elle est magnifique. Une finition parfaite sur le ski. On est vraiment, vraiment fiers de ce ski et j'ai hâte que vous le testiez.